entendu parler de vos recherches. Il paraît que vous comptez développer des biopesticides aussi efficaces que des pesticides. Je voulais savoir si c'était vraiment possible. Oui, effectivement, c'est possible. Nous travaillons depuis de nombreuses années sur des biomolécules qu'on appelle des lipopeptides, qui sont produites par une bactérie Bacillus subtilis, qui est elle-même utilisée comme biopesticide. Les lipopeptides sont capables d'inhiber la croissance de champignons qui sont responsables de pourriture des racines, des semences, des fruits et des légumes, par exemple. Ils agissent par deux modes d'action. D'une part, l'inhibition de la croissance du champignon. D'autre part, la mise en œuvre d'un mécanisme de résistance chez les plantes. Dans le cadre du projet Bioscreen, nous mettons en place une plateforme technologique qui va rassembler l'ensemble des techniques nécessaires à la mise en évidence de nouvelles molécules possédant cette double activité. Je voulais savoir, est-ce que ces produits vont être efficaces dans mon champ et également, est-ce qu'ils vont agir sur toutes les maladies? Binnen het project Bioprotect voeren we zowel proeven uit in de serre als in het veld. En met deze proeven willen we de effectiviteit van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen in het veld verzekeren. Zoals hier het geval is bij een experiment in tarwe tegen Septoria. Als onderdeel van het project Bioprotect testen we de activiteit van biologische gewasbeschermingsmiddelen die al op de markt zijn, maar ook van nieuwe biofungiciden die ontwikkeld zijn binnen het project. In een groot aantal gewassen, zoals tarwe, maar ook in groenten en fruit, zoals je hier kan zien. En we proberen een biologische oplossing te bieden voor onze telers in de praktijk. Et quel sera le rythme d'application de ces produits? Faudra-t-il traiter tous les jours? Het project Bioprot verzekert de opvolging van de biologische afbreekbaarheid en de formulering, waardoor de verspreiding in het veld geoptimaliseerd wordt en de weerbaarheid mogelijk is. En het project Biosounds daarentegen, daarin willen we een sensor optimaliseren die kan detecteren wanneer de ziekte aanwezig is op de plant, in het veld, en ook of we op dat moment moeten behandelen. Maar anderzijds willen we met deze sensor ook gaan kijken of het product nog aanwezig is op de plant. En zijn deze producten dan minder gevaarlijk voor mij en mijn toekomstig kind? Nous avons sélectionné en fait des molécules qui présentent une écotoxicité, c'est-à-dire une toxicité vis-à-vis de l'environnement qui est bien plus faible que les pesticides de synthèse. Et dans le cadre du projet Bioprot, nous allons continuer à étudier en détail la toxicité et l'écotoxicité des nouvelles molécules que nous avons sélectionnées. Ik ben heel gepassioneerd door dit onderwerp. Hoe kan ik mij verder informeren en onderzoek doen? Il y a un volet communication qui est prévu dans le cadre du projet, qui va informer les agriculteurs et le grand public au travers de séances d'information de l'évolution de nos recherches. Et bien sûr, les étudiants et les doctorants sont les bienvenus pour faire un travail de fin d'études ou une thèse de doctorat sur la thématique. Votre projet a l'air très intéressant, mais il me reste quand même une question d'un point de vue financier. Est-ce que votre mode de production est aussi viable qu'un mode de production plus conventionnel? C'est effectivement un grand défi. Et dans le cadre du projet Bioprod, les chercheurs essayent d'optimiser les procédés de production de ces lipopeptides. Ils le font dans des bioréacteurs comme celui-ci, afin de réduire au maximum le coût de production. Et hiermee willen we de prijs zoveel mogelijk onderdrukken van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen. En deze toegankelijk maken voor zo'n ruim mogelijk publiek. C'est vraiment très enthousiasmant pour nous de travailler sur une thématique de recherche qui améliore la qualité de vie de la population. En bijdragen aan een duurzame landbouw.